matinale, non, pour matin. Eh bien, j'ai dit qu'on fait 7h37 dans Horloge Radio Haïti. Et bien, à 8h, nous pourrons retirer dans l'air. Et bien, il reste 5 minutes pour décrire. C'est le moment pour nous passer dans la méditation matinale. Comme étant donné, nous gagnons un thème devant nous. Un thème nous gagnons devant nous. Nous avons étudié ensemble, nous jouons dans le livre romain, et thème là, c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit pour l'église de Rome, il qui écrit à Christine, et bien pour être capable de jeter base doctrinale en concernant des hérésies qui tapent et vous mettez tout autour des chrétiens. À côté qui gagne l'autre monde qui était tendance à porter l'évangile combinatoire, ça veut dire vous gagnez un peu de bagaille qu'on est capable de faire pour capable gagner salut ça ou bien pour qu'il salut ça. Et bien, apôtre Paul, il était pour contre-pied pour te dire yo anathème avec Jean de l'Évangile qui y a Jean de l'Évangile y a bien baé là parce que lui pas vrai pour chrétien te joindre l'Évangile qui vraiment voilé l'Évangile qui vraiment pas exact en selon la nouvelle doctrine. Et bien apôtre Paul nous connaît qui ça apporte pour le mais c'était vraiment un brave qui t'a travaillé pour le judaïsme. Quant à pour la loi, pas de monde qui te connaît pas lui, elle te connaît ça à la lettre. Lui-même dit, lui te chita au pied du Gamaliel, lui te apprend tout ça qui te gagne dans le livre de la loi. Et nous jouons même Gamaliel, ça pour faire déclaration dans Actes des Apôtres, chapitre 9, côté lui pour approuver la nouvelle doctrine. Malgré lui, c'était docteur de la loi, professeur de la loi, mais avec la venue de Jésus-Christ, eh bien, lui, c'est ça, qui te met en question, eh bien, il va avoir approbation, il va approuver par moyen du Saint-Esprit, comment ou pas capable de saluer ça avec propre, il faut pas où, ou bien avec les œuvres de la loi, mais c'est simplement capable de recevoir par la foi en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, et bien c'est laissant capable de recevoir. Et une fois que nous recevons salut ça, ou confession de foi, et bien la Bible déclarée ou juste, selon elle déclare au juste, une fois vous faites confession ça par la foi en Jésus-Christ, selon Romains chapitre, dans Romains chapitre 3, à partir du verset 21, qui parle dit maintenant, sans la loi, manifester la justice de Dieu. Alors, vous n'avez pas besoin de la loi encore pour manifester, pour justice de Dieu, manifester en faveur vous-même. Eh bien, qui parle dit sans la loi, eh bien, maintenant, sans la loi, est manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Et dans le verset 22, elle dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. À la justice, les amis auditeurs, c'est un thème qui est fort. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il y a plein de distinctions. Ça veut dire pas personne, il y a plein de distinctions. Pas dire excepté moi-même, comme c'est docteur moyen dans le domaine de la loi, il n'a pas besoin de Jésus-Christ pour me capable juste, à travers la loi, me capable justifier. Non, apôtre Paul dit pas de distinction. Pas de grain même qui est capable de dire ça moi-même, c'est pas tel moyen capable de justifier. Et dans le verset 23, côté dans Romains 3, verset 23, côté Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché et tout le monde vit le dos, bah, bon Dieu qui met tout pouvoir, ou pas capable de contempler la gloire de Dieu parce que vous êtes pécheur. Et le péché pas capable de camper en face de Dieu. Et si ça fait la Bible déclarer nous juste, c'est pas parce que c'est une base méritoire
que nous déclarons juste, hein? Mais nous déclarons juste à travers petit de Jésus-Christ. Et là, regardez, c'est pas nous qui regardons, et c'est Jésus-Christ qui nous regarde. Et à travers Jésus-Christ, c'est à travers Jésus-Christ, lui accepte nous, par la foi, nous venons en Jésus-Christ. Et bien, une fois qu'il accepte nous, à travers Jésus-Christ, et bien, Jésus-Christ qui est venu, bah, la vie sur la croix pour l'humanité, pour nous capables de saluer, et bien, Jésus-Christ maintenant, lui déclarer, nous ne savons qui croit, dans moi-même, nous ne savons ce sont des personnes qui juste, parce que nous justifiés avec sans pas moins. La justice, la justification par la foi, illustrée dans l'Ancien Testament par Abraham et David. Ça veut dire que l'illustration, ça, c'est prophétie, ça, pour, mais ça a été déjà fait depuis dans l'Ancien Testament. Quand il te dit Abraham, tout le monde qui, toute nation va bénir à travers nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on va venir papa, il y a une multitude de nations, et toutes les nations, on va venir à travers nous-mêmes. Et quand il dit dans la lignée de David, dans la famille de David, la lignée de David, va gagner un messie qui va sortir là-dedans, va gagner un roi qui va sortir là-dedans, et c'est lui-même qui va venir gagner maillette là-dedans, et c'est lui-même qui va venir libérer l'humanité en bas. Esclavage, côté oui, l'esclavage du péché, la condamnation du péché, les œuvres du péché, les œuvres de la loi, et bien c'est souvent ça qui va venir retirer à tout le monde qui va gagner confiance dans les mêmes en bas condamnation péché. Et mes amis auditeurs, nous voyons la justification par la foi est déjà illustrée depuis dans l'Ancien Testament par Abraham et David. Maintenant, la justification, qui ça le fait? La justification s'accomplit sans les ordonnances. Allez, la justification du juin, accomplissement, sans grâce, sans ordonnance. Selon Romains chapitre 4, le verset 9, il dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car tous, car nous disons que la foi fut imputée la justice à Abraham. La foi fut imputée la justice, imputée à justice à Abraham. Et maintenant, on va jouer plus tard, la justification s'accomplit sans les œuvres de la loi. Mettez les œuvres de la loi de côté, mettez tout le temps les ordonnances de côté, et puis pour justification, pour justice là, capable accompli. Comment bon Dieu pourra déclarer l'homme juste? Romains chapitre 4 à partir du verset 13, qui dit en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. C'est pas avec un ami auditeur, c'est pas avec héritage de la loi, parce que Abraham qui est pour aller sortir en Mésopotamie, pays qui dans Mésopotamie, Abraham pour aller sortir en Chaldée, côté que bon Dieu pour aller relier Abraham, pour Abraham quitter pays là pour aller dans l'autre pays. Et c'est là qu'il pourra faire promesse là ensemble avec Abraham. Il pourra avoir bon nombre de temps qui pourra le passer. Après, pour aller, côté peuple pourra tomber en esclavage en Égypte. Et peuple pourra sortir en esclavage en Égypte. Et c'est juste dans le désert. Hein? C'est juste dans le désert, le peuple a sorti en esclavage. Et c'est la bon Dieu pour le bail Moïse, le 10 commandements, il pour le bail la loi mosaïque, pour le peuple capable de suivre. Mais promesse de la justification qui est déjà faite avec Abraham, longtemps avant venu la loi, que le peuple a pour le recevoir par Moïse. Façon qui pourra régir peuple là, façon pour le marcher.
et la justification pour messe de la justification t'es déjà faite. Et si on t'a même monté plus loin depuis dans le jardin de Dédé, dans le jardin de Dédé, côté que l'Éternel t'es dit à faire pour messe là et héritage là sous verre qui va venir faire là, un innocent qui va payer conséquence là pour coupable mieux. C'est ça veut dire un symbole qui t'es dit à symboliser là, amis auditeurs, façon que bon Dieu t'es dit à couvrir la honte péché nos anciens parents, à savoir Adam et Ève, depuis dans le jardin d'Éden. Maintenant, qu'on y a là, on est apôtre Paul pour poser une base doctrinale là. Il peut dire la justification en s'accomplit sans la loi. Nous pas besoin de la loi mosaïque pour le capable de l'accomplissement. Et souvent, fois, nous conjoignons en pile prédicateurs qui ont mélangé la loi civique avec la loi mosaïque. Or, si on dit pas la loi, c'est qu'on est capable de voler. Si on dit ou pas la loi, ou capable de tirer. Non, ça c'est la loi civique. La loi civique, pas moins de pour tirer notre pays. Il est vrai que la loi mosaïque l'a rentré là-dedans parce que Moïse a dirigé le peuple au point de vue spirituel et social en même temps. Ça veut dire loi qui régit au point de vue spirituel et moral. Mais dans tous les pays du monde, on veut la loi morale qui empêche de tirer. Or, alors que la loi mosaïque, c'est pas une loi qui était universelle avec toutes les nations. La loi mosaïque, c'est une loi qui était typiquement pour la nation d'Israël, que les autres nations pas là-dedans. Maintenant, apôtre Paul pour le dire, eh bien, l'homme pour joindre la justification en sans la loi. Raison, qui peut mettre toute nation dehors, pas concerner simplement la nation d'Israël, mais il peut concerner toute nation qui vit sur la terre. Eh bien, avec le mot qui coque, et bien qu'on y a là, nous pas besoin des œuvres de la loi pour nous capables de justifier, mais son seul moyen qui nous va mettre en évidence pour une justification, c'est moyen de la foi. Par conséquent, amis auditeurs, nous pouvons jouer une conséquence de la justification. Et conséquence de la justification, nous pouvons poser dans Romains chapitre 5. Et bien, évolution de la justification par la foi. Dans chapitre 5, le verset 1er, il peut dire, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amis auditeurs, nous-mêmes qui partent en paix ensemble avec Dieu à cause de méchanceté et péché nous, et le Seigneur Jésus-Christ pour le faire nous réconcilier ensemble avec Dieu le Père. Et ne c'est pas à travers son Jésus-Christ sacrifice qu'il te offrir sur la croix, et ce sacrifice-là qui pourra mettre nous en relation ensemble avec Dieu le Père, qui pourra réconcilier nous ensemble avec elle. Dans le verset 2, il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et mes amis auditeurs, c'est pas moyen sacrifice ça Jésus-Christ fait pour nous qui fait nous garder accès ensemble avec sa crédit la grâce. Et c'est Jésus-Christ seul qui ban nous accès ça. Alors, nous sommes capables de prendre un petit temps pour expliquer. Le Jésus-Christ a fait plaidoirie pour capable de plaider cause les hommes, cause l'humanité. Nous allons représenter nous comme monde qui est innocent, monde qui n'est pas coupable, monde qui n'est pas pécheur. Non, Jésus-Christ représente nous comme pécheur, représente nous comme coupable, comme monde qui fait mal. À tel point, ou capable. L'homme pour payer toutes les péchés nous, c'est les hommes qui pourraient le crucifier sur la croix. Ça, c'est un marque de la méchanceté, c'est un marque de criminalité, le crime qui pourraient exercer l'homme pour courir Jésus-Christ. Et l'homme pour rendre le soupir, encore, les
plaider pour l'humanité, lui dit papa pardonnez-nous parce que vous pas connu ça y a fait. Même pas dit papa pardonnez-nous parce que vous innocent, papa pardonnez-nous parce que vous pas coupable, papa pardonnez-nous parce que vous pas connu ça y a fait. Par contre qui crime que y a fait. Ça veut dire il pas connu qui ça y a détruit là. Mais maintenant, le fait que lui présente nous comme coupables, lui présente nous comme criminels, lui présente nous comme pécheurs, homme qui pas bon, c'est le mot qui pourra mettre l'humanité dehors, c'est le mot de la grâce. Papa, on lui demande pour faire une grâce, pardonner, on lui demande pour faire une grâce. Et c'est à travers de cette grâce, moi-même, ensemble avec vous, nous avons accès, je le dis, pour nous capables de bénéficier, bénéfice de la grâce. Et nous avons espérance, un jour encore, la gloire de Dieu, nous pas gagnant, la gloire de Dieu, nous te privés, et bien qu'on y a là, nous pourrons entrer dans la gloire de Dieu, parce que nous vivons une justification à travers le sang de Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'a nous accès au dernier jour, moi-même ensemble avec vous, n'a pas capable de venir devant face dans la gloire. Dans le verset 3, apôtre Paul continue à prêcher sur le chapitre 5. Il dit bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Ça veut dire, amis auditeurs, pendant nous guittons fait atteint de foi, nous acceptons Christ comme sauveur personnel dans la vie. Nous saluons ça, nous pas bien, ça veut dire perdition, nous sommes perdus. Eh bien, à cause la grâce, nous venons recevoir la grâce en Jésus-Christ, vient faire l'humanité. Eh bien, on recevoir grâce à, par la foi en Jésus-Christ, toute affliction que nous gagnons, ça veut dire l'affliction, ça fait la caillou, il produit la persévérance avec foi, avec certitude, nous a persévéré, et un jour, nous connaissons, a fini avec toute bagaille, ça y est, dans la gloire de Dieu. Dans le verset 4, il dit, la persévérance, la victoire, dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mais oui, avec en persévérance, eh bien, qui ça vient produire, il vient nous victoire. Et victoire, ça, c'est victoire nous porter dans l'épreuve. Hein? Et épreuve, ça, nous vient engendrer l'espérance. Espérance que vous gagnez au dernier jour, wap, dans la gloire. Les amis auditeurs, apôtre Paul lui a jeté la base doctrinale. Maintenant, comparaison et contraste entre la justification et la condamnation. Et apôtre Paul lui a défini qu'on a lui entré pour capable poser problème devant les chrétiens de Rome. La comparaison et contraste entre la justification et la condamnation. Qui ça qui est capable de rendre juste et ça qui ça qui peut mettre ou condamner. Hein? Qui ça qui met en liberté et qui ça qui met en liberté ou en captivité. Les amis auditeurs, selon Romains, chapitre 5, à partir de verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché, la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amis auditeurs, ça veut dire pas un seul monde péché qui entre dans le monde, et à cause du péché entre dans le monde, ça vient, qui ça vient comme conséquence, la mort. La mort en général, la mort qui n'a pas épargné personne, la mort qui a jeté de l'eau, manger, je ne vous dis pas, les nouveaux êtres qui proches à nous, qui partent pour l'éternité, soit par quel moyen, lui mourir. Mais nous mettez de l'eau dans les yeux. Et nous disons ça que la mort s'étendit sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Pas de yon qui épargne depuis Adam jusqu'à aujourd'hui.
pas de yon nan nou ki épané, et bien lui étend dans le monde entier. Et c'est ça fait Christ lui fait provision pour le capable libérer tout le monde entier. Pas de yon vous qui pas de appel pour venir à la repentance. Pas de yon vous qui bon Dieu pas mettre moyen pour capable sauver. Même j'en péché à couvrir le monde entier, et bien la grâce de Dieu lui couvrit le monde entier pour le capable justifier quel qu'il en soit, mon qui venait à lui-même, mon qui accepte là. Et maintenant, on va jouer à profil accepter Christ, les papes qui t'ont offert, les papes qui t'ont sans qu'elles permettent leur sécurité ensemble avec eux comme petite lit. Alors c'est comme si on veut petite, on fait petite là, on parle de petite là dans sa vente pour grandir, pour qu'on j'enlève. On balie une bonne éducation, non c'est pas une bonne éducation, on fait provision pour le capable venir au monde donné. Et pendant on fait provision pour le capable venir au monde donné, et pendant on est pour qu'on vienne l'âge pour prendre responsabilité, et bien on fait si que chaque jour on assure sécurité, on assure protection ou assurer ça le besoin pour capable mettre disponible pour lui-même. Et c'est ça Christ fait pour moi-même ensemble avec les amis auditeurs. Et c'est ça fait pour pouvoir jouer vos cabinets sacrifiés, la sanctification par l'union avec Christ en sa mort et en sa résurrection. Selon Romains chapitre 6, selon Romains chapitre 6, le verset 1er jusqu'à verset 8. Hein? On va jouer la sanctification par l'union avec Christ en sa mort et sa résurrection. Le fait que nous jouons la justification en Jésus-Christ, eh bien, avec justification, nous jouons en Jésus-Christ, hein, lui assurer, lui assurer salut ça en nous-mêmes, eh bien, qui ça le fait, amis auditeurs, et bien, qu'on y a là, lui demander pour mener une vie de la sanctification. Mais pas simplement demander pour mener une vie de la sanctification, mais lui mettez moyens disponibles, parce que vie de la sanctification, c'est une vie progressive. Le vie vous besoin mener de jour en jour. La délivrance de la puissance du péché, hein, de la puissance du péché innée au cœur de l'homme pour être capable de livrer de la puissance du péché, parce que vous faites avec un bagage qui innée dans vous-même, un bagage que vous faites dans le cœur pour prendre naissance, péché prend naissance dans le cœur. Et bien, quand il y a là, ça arrive par moyen de la sanctification, côté que pour mettre le Saint-Esprit disponible pour être capable de faire moi-même ensemble avec mener une vie de la sanctification. Maintenant, comment nous pouvons mener? C'est par l'identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Comme la pour nous avoir capable de mener vie ça, nous pouvons identifier nous avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Et comment nous pouvons identifier nous? Nous pouvons accepter lui et nous pouvons accepter pour nous prouver l'humanité, pour nous prouver le monde, de nous séparer totalement ensemble avec elle dans sa mort et dans sa résurrection. Et bien, c'est ça fait nous qui acceptons Christ comme sauveur personnel, nous pouvons accepter publiquement pour un témoignage public, pour accepter baptiser, plonger dans l'eau, ça veut dire mourir ensemble avec Christ et sortir dans l'eau, c'est ressusciter ensemble avec Christ. Maintenant, selon Romains chapitre 6, verset 1er à 8 ans, amis auditeurs. Nous arrivons pour nous capables de retirer nous dans l'air. Nous avons passé plus de temps ensemble avec vous pour expliquer amis auditeurs, l'évangile de Dieu qui parle l'évangile de l'homme. Mais comme étant donné, c'est une série d'études, nous commençons à faire sur Radio, on a continué ensemble avec elle. Nous croyons que demain, si Dieu veut encore, nous va prendre un petit temps pour nous continuer reste étude là. Et bien, de jour en jour, pour capable de gagner plus.
plus de connaissances comment pour pas quitter personne monde. Je mettais en fatra dans tête qu'on est que c'est pas les sacrifices, c'est pas sacrement, c'est pas effort personnel que ou capable de jouer salut ça. Non, c'est pour seul moyen ou capable de jouer, c'est pas moyen la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est l'évangile de Dieu qui baille le salut. Zami auditeur, bon arrivé pour nous capable de retirer nous dans l'air.